Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction d'aujourd'hui, le 29 décembre 2022. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année qui totalisera pratiquement 4 ans de la gestion de notre président qui a pris les rênes en 2019. Donc, nous allons réagir sur cette nouvelle. Comme toujours dans Réaction, la nouvelle, nous avons été tous surpris, beaucoup de Congolais, pas nous ici, de la démission des trois des six grosses calibres d'ensemble qui se sont désolidarisés. Donc, ils ont démissionné du gouvernement béton. Donc, il y a une fissure béante dans le gouvernement de notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous réagissons pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de questions qui me sont adressées en me disant, Germain, qu'est-ce que tu penses de cette démission-là? Je vous ai toujours dit que cette démission-là est venue peut-être en retard parce qu'on l'attendait depuis le commencement. À la formation de l'Union sacrée, où Moïse Katumbi avait dit qu'il était venu au secours, donc répondant à l'appel du chef de l'État pour justement corriger les choses et voir comment est-ce qu'ils pouvaient travailler ensemble. Et ainsi, donc, il est venu avec un cahier de charges. Et nous nous sommes toujours posé la question, ce cahier de charges-là a été discuté longuement. Il y a eu peut-être 3 mois, 4 mois, où l'Union sacrée a été créée, mais c'est là qu'il faut justifier aujourd'hui la démission de ces ministres. C'est là où il faut trouver la raison. Pourquoi? Parce que à la création même de l'Union sacrée, je crois qu'il n'y avait pas de consensus. On attendait peut-être les MLC, tous ces bons mondes qui se sont réunis autour du chef de l'État en disant que non, nous devons aider le chef de l'État afin de redresser les choses. Mais est-ce qu'y a-t-il eu un consensus sur un programme donné? Y a-t-il eu un consensus sur la mode de gouverner le pays? C'est de là que nous devons nous poser comme question. Et nous, les observateurs, nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas eu effectivement de cohésion, il n'y avait pas eu un certain programme donné en se disant voici comment est-ce que nous allons conduire le pays. Nous sommes toujours en train de faire des choses dans la précipitation. C'est ça justement qui justifie cette fissure béante dans ce gouvernement aujourd'hui et le départ de ces quatre ministres de ce gouvernement aujourd'hui. Ça déstabilise effectivement la marche de notre pays. Est-ce que Félix va faire un remaniement à une année de son dernier, de sa, de l'an dernier de son mandat? Est-ce que Félix va faire un remaniement? On attendait le remaniement depuis longtemps. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'y avait pas de consensus. On ne s'était pas mis d'accord sur la mode. Comment est-ce que nous allons et régler les problèmes criants qui étaient constatés au niveau même de la gouvernance, au niveau même de la marche de notre pays. Est-ce que les politiciens se sont mis d'accord pour créer cette alliance, cette union sacrée? Jusqu'à aujourd'hui, nous nous posons la question, quel est le mode que les gens se sont mis d'accord pour remédier à tous les maux qui gangrènent dans notre République démocratique du Congo? La création de l'Union sacrée a été saluée en disant donnons le pouvoir au chef de l'État. Mais les partis qui sont venus justement dans l'Union sacrée étaient venus avec des cahiers de charges dont je parlais dans le départ ici. Ces cahiers de charges-là ont-ils été respectés? Se sont-ils mis d'accord en se disant voici, en considérant tous ces courants-là, en considérant que ce que les autres disaient, est-ce que nous pouvons mettre un programme? Est-ce que nous pouvons nous constituer à attaquer le vrai problème du Congo? C'est ainsi que nous nous sommes dit. En tout cas, il n'y avait pas eu de consensus. Tokei kaka na ndenge wana na bulu ye kaka bon ok tomo kaka kato kosa la kandenge kozala. Mais en cheminement,
Nous avons vu le ministre Chérubin Okende qui se battait. Il a été même au Parlement à part des motions. Il a survécu des motions. Est-ce que avons-nous, ou bien avait-il ces gens-là, avait-il été ensemble en se disant voici ce que nous allons faire. Nous avions vu le ministre Mwando qui défendait un programme de 145 territoires mal conçu et que lui-même, lorsqu'il parlait, il n'était même pas convaincu que cette histoire-là devrait être faite. Est-ce que l'ensemble de Katumbi avait agréé ou bien avait donné accord, se sont accordés à ce programme-là qu'il faisait au sein du gouvernement? Point d'interrogation. Et donc, aujourd'hui, nous constatons que ça devient une machination politique, voyant peut-être l'air déclin, voyant que non, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils sont partis faire là-bas. Ils se décident à une année de l'échéance de ce mandature en se disant, non, nous ne sommes des raisons. Pourquoi? Parce que les résultats qu'on attendait n'était pas à jour. On attendait peut-être une certaine coalition, une certaine harmonie dans la gouvernance. Mais ces gens-là, peut-être, ont commencé à se dire qu'ils ont été tombés dans une soupe où ils ne pouvaient absolument rien, ils ne s'imposaient rien. Les réactions même de la population qui commençait à leur dire que non, ils supportaient le président de la République. Ils ne supportaient pas le programme qu'ils se sont mis d'accord. Programme moko basala kate o ya kosala ke non ensemble yena ba ide na ye ba tumususu ba yena ide na bango balobi problème ya solo yango ma boende to kosala lango a poto résoudre problème à Congo. Moi je justifie, je me dis on attendait cette histoire depuis longtemps. Batouana pe bazala ki kuna, je crois qu'ils attendaient à la dernière minute tant qu'ils ne voyaient pas que non, to s'accorda ki na bisote. Makambo eza kosalema, eza makambo o to koka ki koya o ensemble et ya ki nango en tenant compte de leur cahier de charges en disant voici cahier de charges na biso yango tous. Encore il y a, faut-il encore se poser des questions. Quel était le cahier de charges? Qu'est-ce que contenait ce cahier de charges d'ensemble lorsqu'ils sont venus à l'Union Sacrée? Quel était le cahier de charges que MLC Ayaki Nango pour n'a co-présenter Mokonzi? Mokonzi, a-t-il considéré ça ou bien a-t-il tout simplement dit que bon, vous les hommes, venez ici, vous allez m'aider à faire ce que moi je concevrais, à m'aider dans le programme? Bon, ça, l'isangana, ça, le programme n'angai token de Tina Souka. Batouana pe ba moni ke non awa e komi likambo a mwana na mwana bendana makambo o biso ensemble toyaki nango poto réaliser et salemi pété. Donc le président n'avait pas pris en considération leur cahier de charges. On attendait ces démissions depuis longtemps. Erreur nga na za ko fistige awa eza nini eza ke Batouana depuis kala 2 ans yango ba kota ki na gouvernement wana. Est-ce que ko réclamer te ke non toyokana ki boye mais oyo nde eza kosalema te? Est-ce que balobaka yango bango moko bayebi soki lelo oyo? Donc réaction nanga eza koloba ke considérant leur démission aujourd'hui c'est et comme une tactique politique à Kolobakeno, te faire passer Moïse Katumbi comme président de la République. Peut-être à ce moment-là, ce qui te faire passer comme président de la République, Makambo Amalamu ou Moïse Katumbi à l'obia Kosala, peut-être yango ne mouto ko sauver Congo, na yebite. Ça, c'est une question du futur. Mais est-ce que avait-il tenir compte? Est-ce que va tenir compte na demande à peuple, na position à peuple vis-à-vis à président Nabango? Mais je suis quand même content parce que Batunyo surtout les Congolais sont en train de voir. Toloba ki awa, faisons un programme. Tokende na biloko nyoso au programme nyoso, oyo Congolais nyoso akokota na kati. Pourquoi est-ce que batoyo ba opposant ya lelo baza koloba no to kota nanu to vanda to solola. To solola makambo a seni, to solola makambo a identification, to solola makambo oyo etali mboka po to tour to solola. Tokende na solution moko oyo ko inclure biso nyoso tu. L'Union Sacrée n'était pas une mauvaise programme. L'Union Sacrée ezalaki et le komoko président benga ki batu nyoso alobi boya to sangana na Union Sacrée to créer programme. Est-ce que programme wana salama ki yango na désordre zakaka na Union Sacrée
président Zola qui n'a moins chance de soutenir lobby batou oh bah à débaucher batou baye nanga monnaie pour pas passer pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il avait proposé, quel est le schéma il avait fait pour que a organisé union sacrée wana pour na combattre bah problème réel et la République démocratique du Congo exacté. Nous avons vu et là qu'on se kenda qui kaka na nenga koloba kaka bokonzi sans tenir compte vraiment y a programme moko commun oyo ba parti politique oyo ba qui na union sacré ba yo kanake non ba makambu oh par exemple à kokanga batuba tout le monde que je peux pas citer ici on trouveront des réponses na kati ya union sacré. Non, union sacré tikala kaka eloko moko bo ekoki moko vide eloko moko ezbaza ko landate ezalaki kaka likamba ko pesa bokonzi na mokonzi amboka o azali sikoyo mokonzi amboka pe azalaki pe na tactique managériale te ya ko gérer ba cahier de charge wana nyonso te. C'est ça justement l'erreur que moi je fustige ici, que oyo et komi ezali faute kaka ya président de la République, faute ezo kende kaka na nani na Fatshi Béton. Béton oyo montré déjà donc ebukani nalo baka ebukani parce que ba fissure ezala ki déjà dès le départ. Ce qu'il fallait faire, moi je pense que au moment où président zala ki na opportunité on a que batunyo surtout baye na kati ya union sacrée, il était question maintenant de donner le pouvoir, de se mettre tous d'accord et koloba tokene na programme moko vraiment oyo ko résoudre makambo ya Congo. Et que ça ne sera pas tout simplement likambwa pouvoir et kozala likambwa direction ya kotala ba considération ba biro konyo surtout. Je crois que le président de la République a manqué cette opportunité là ya kotia batu nyonso surtout ensemble pour un programme donné et que batwana ba lobby OK awabiso na ensemble voici comment est-ce que nous entrevoyons ndenge ko diriger Congo na MLC batu na batu ba yena programme bango alors tostok tonga programme moko o ko inclure batu nyonso et que président à respecter biloko wana, à respecter que pe ba biloko wana. Mais nous avons constaté quoi, c'était tout simplement likambo pouvoir na likambo président de la République azako loba boye azako promettre boye azako sala boye sans que a considérer ba point de vue na ba cahier de charge ya batu na bango wana mususu bazalaki ba yaki kokota na union sacré. Union sacré aujourd'hui est une coquille vide. Tozo kende kaka au gré de la vague. Oh, ba sali boy, to sali boy. Ba ye, biloko bimi boy. Tozo na plan directeur te. Jusque là, je peux dire que Fatshi a échoué. Ya ko rassemble ba tunakati ya union sacrée. Donc, faute ezali, gestion ya union sacrée wana ndenge yaki, en considérant les gens, en disant que non, toza programme moko, quel est le réel problème oyo toza ko combattre na République démocratique du Congo? Eza problème ya nationalité, eza problème ya gestion, eza problème ya armée, eza problème ya administration mboka na biso. Ils n'ont même pas réfléchi sur ça. Et nous attendions à ce que, dès que Union Sacrée Zala qui lançait, on pensait que le président de la République va s'humilier en disant que Congo oyonga na okiko dirige ango nga mon côté. C'est avec tous, avec le programme de tout le monde, batuna batuba ye na ba desiderata na bangwa koloba to tia babiloko ensemble pour que toptala eloko oto kosala ezala et répondre justement na ba question nyoso o eza ya makasi. S'il faut repousser les élections au vu de programme o biso nyoso totali tokokai ko repousser ba élection parce que union sacrée ezala ki ko pesa ye koloba. Maintenant, président de la République, réfléchissez comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour que Tobi Msamboka na problème otoza nango le loi de développement, na problème otoza nango ya ba corruption tout ça. Ça n'a jamais été discuté au sein de l'Union Sacrée. C'est ça que je condamne, que le président de la République a failli. Comment Union Sacrée ko kozala ta na bureau politique mon côté oyo et ko kai ko réfléchir na koloba ke no ba desiderata ya ba batu o ba uti koto. Batu nyoso to bo ye koto toza maintenant la majorité o Tozanango ao. Réfléchissons pour un programme bien déterminé au tokoti ensemble au toko travailler biso nyoso na kati et que mutute akobanda koloba ke non na sala ki bo ete programme nyoso toko sala résultat nango ko tomber na biso nyoso tout. Donc budgétisation tout ça, tout ce qui arrivera dans l'union sacrée, donc ba résultat on est causé la porter na biso nyoso tout na union sacrée on est ka discuter te. Donc c'est comme ça que moi j'ai réagi aujourd'hui en disant en tout cas il n'y a que Fatshi lui-même qui doit porter le malheur du pays parce que il a concentré tout simplement pouvoir na yemoko a bengi batu mais batu wana bazalaki na mo à dire te. Résultat les lois andengenini tozo lobake oh non babiloko ba promesse tout ça, est-ce que a-t-il considéré ba tout mususu
Voilà, je vous laisse aussi l'opportunité de réfléchir, mais c'est ça mon point de vue qui n'est pas vraiment une parole d'évangile. Voilà, je vous conseillerais aussi une fois de plus de vous abonner à notre chaîne en vous souhaitant une bonne année 2023 et que tant que vous êtes en 2023, vraiment, batunyo surtout bazala ensemble, batunyo surtout bazala na kokende na ba élection, tout ce que soke kozala. Mais l'essentiel est que batunyo surtout bo fêter malamu. On se revoit prochainement, donc l'année prochaine. Je crois que on est ali dernier numéro na biso ya année. Et donc, je vais encore vraiment être content si vous vous abonnez beaucoup pour que l'année prochaine visibilité ya ba vidéo na biso ezala vraiment trop grande. Voilà. Portez-vous bien et bonne année.